faire un petit peu de dégrossier aujourd'hui à la chaux Saint-Astier. C'est de la décor chaud, donc c'est de la chaux aérienne. C'est de la chaux qui sèche à l'air. C'est super à travailler. Ça sèche en douceur. Tu as le temps de bosser. Si tu n'as pas fini ta brouette, ben. Le soir, tu mets de l'eau dessus, tu la recouvres bien comme il faut, qu'elle soit bien étanche à l'air. Tu la laisses et tu reviens le lendemain. Et le lendemain, eh ben, elle est encore meilleure. Donc, en plus, c'est un super rendu au niveau du volume. Ça fait vraiment, ça fait le boulot, quoi. Et c'est pas excessivement cher. Bon, c'est des sacs de 25 kg, mais franchement, là, pour travailler à l'intérieur, tu mets 12 seaux de sable pour un sac de 25 kg, et t'as de la colle vraiment géniale, quoi. Donc, faut pas hésiter à bien laisser mélanger sa bétonnière, bien attendre que son mélange soit bien fait, bien aéré. Et là, la chaux, elle devient vraiment, vraiment top. Donc voilà, là, je vais essayer de dégrossir ça, là, aujourd'hui. C'est tellement moche. Derrière, les pierres sont éclatées, donc c'est pas la peine d'aller plus en profondeur. Donc je vais recouvrir toute cette saloperie. Je vais plus voir ça. Voilà. Bon, allez. Je vais essayer de m'y mettre. Peut-être vous faire un petit... demi-sac, ça fait à peu près 3 mètres par il n'y a pas 2 mètres là, il y a 1m80, pas épais hein. Bon. Et la deuxième demi-sac, je passe avec cette chaux blanche là. Celle-ci qui a l'air moins blanche que la décor chaud, beaucoup moins blanche. Donc j'ai jamais essayé cette chaux là, donc vu que c'est des dégrossis, je me suis dit tiens, allez, on va essayer. En tout cas elle est vachement plus chère, c'est 14 balles le sac, 10 kilos de plus quoi, mais 10 kilos de plus, effectivement. Mais t'en mets pas plus, quoi. Dosage, c'est les mêmes qu'avec le décor chaud. Donc, allez.
Vous avez la différence là. Chaux aérienne, décor chaud, chaux blanche, hydraulique. Chaux blanche, chaux super blanche normalement. Ok. Allez, la suite tout à l'heure. Bon, je vais essayer de finir de déboucher cette petite fenêtre que j'avais fait là. Et puis des grossières à la chaux. Un petit peu plus. Allez, on va voir ce que ça donne. Thank you.
Petite journée. Laisser sécher. Et je reprendrai les dégrossis la prochaine fois.